bouge pas pour croiser les lèvres, tout pique comme un rêve, toujours du grelot. Secrétaire m'a donné votre numéro. On m'a dit que je pouvais vous faire confiance. Mais oui, c'est ça, j'ai fait partie des Boy Scouts. Je voudrais que vous passiez chez moi, sans tarder. Seriez-vous par hasard le Mike Hogan des compagnies aériennes? Oui, c'est moi. Mais cette affaire n'a rien à voir avec ma compagnie. Une affaire personnelle, alors? C'est exact. Très personnelle. C'est pour ma fille. C'est un viol. Ben Summers, directeur de ma compagnie. C'est aussi un ami de la famille. Dan Tana. Monsieur Hogan, avant tout, je voudrais savoir pourquoi moi, à Las Vegas, il y a une brigade criminelle spécialisée. Je ne veux pas qu'elle soit interrogée par un avocat. Par un avocat la forçant à revivre toute cette affaire et la comparant à une sorte de traînée. Mike ne veut pas soumettre Jenny à ce genre de publicité, à l'épreuve d'un procès. Vous savez ce qui arrive en général aux victimes. Messieurs, je me pose une question. À quoi bon découvrir le coupable si vous n'avez pas l'intention de le faire juger? Tana, trouvez cet homme. Trouvez le criminel qui a fait ça à Jenny. Ce sera ça votre travail. Monsieur Tana, vous connaissez ma réputation. Je suis entouré d'amis très influents.
y compris les membres de la magistrature et la commission de la police. Il se trouve que j'appartiens aussi au bureau des libérations, et je sais que le viol n'est pas un acte fortuit. Et cet homme a certainement commis le même crime auparavant. Et si vous faites un bon travail, nous serons à même de trouver des preuves sur plusieurs autres affaires. Suffisantes pour le faire juger pour des crimes antérieurs. Vous avez étudié tout dans les moindres détails. Alors que décidez-vous? Où est-ce arrivé? Dans un parking. Chez Maximilian. C'est un coiffeur très à la mode. Jenny avait rendez-vous avec une amie. Mary Saunders, vers 10h. Elle devait aller voir un film et... Mary l'a trouvée dans la voiture. Où est la voiture? Elle est restée là-bas, je crois. D'accord, je vais m'en occuper. Est-ce que Jenny a été examinée par un docteur? Oui, par le médecin de la famille. J'aimerais avoir une copie du rapport. Il n'y aura pas de rapport, Monsieur Tanner. Ma fille a été agressée. Ma fille a été violée. Que voulez-vous de plus? Je voudrais parler à Jenny. Je ne sais pas, elle est encore sous le choc. Essayez de lui parler. L'homme qui a fait ça. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il a l'air? Jenny, je sais que c'est difficile pour vous, mais je veux vous aider. Il faut que vous m'aidiez vous aussi. Pouvez-vous vous rappeler de quoi il a l'air? Échapper à cette brute. Il me tenait les bras, il me frappait, il m'étranglait. D'accord, mais sa figure, avez-vous vu sa figure? Il avait des mains énormes, et des marques marron et des cicatrices sur ses mains. Ce que tu demandes, c'est un homme pour les empreintes, un photographe et toute une équipe pour une enquête sur une voiture dans un parking. Ce n'est qu'une toute petite voiture, et je paierai pour le déplacement. Et tu ne veux pas me dire ce qu'ils sont présumés rechercher? Il y a des chances pour qu'il s'agisse tout bonnement d'un viol. Bella, comment le sais-tu? Oh, l'expérience, mon cher garçon. Beaucoup de viols ne sont pas déclarés. Et c'est vrai, mais ça paraît pas très normal, n'est-ce pas? Il faut comprendre le problème. L'année dernière, on a recensé 18 000 viols sur le territoire national. Et moins d'un tiers ont entraîné une condamnation. Et tu voudrais qu'avec une telle foutaise, il y ait encore des gens pour se plaindre? Oui, en effet, tu as raison. Le viol est l'œuvre de vicieux. Il y en a de plus en plus, Dan. Et je te donnerai cette équipe judiciaire sur le champ, soupçonnée de viol. Ah, tu es une chic fille, Bella Hartier. On voit assez de baratin. Donne-moi la marque et l'immatriculation. Si vous avez un problème, je suis à votre disposition. Bonjour. Bonjour. Si c'est pour une excursion, je pourrais l'accompagner personnellement. Ah,
Non, ce que je voulais, en réalité, ce sont quelques informations. À quelle heure allumez-vous vos lumières et quand les éteignez-vous? Oh, normalement, je ne les allume pas du tout, mais quand une personne comme vous le souhaite, je peux déclencher une aurore boréale. C'est vraiment charmant. Non, je faisais référence aux lumières dans le parking. Oh, eh bien, elles sont allumées à la tombée de la nuit jusqu'à l'aube. Elles sont coupées parfois, mais pas par moi. Mon nom est Annabelle, et le vôtre? Je m'appelle Dantana. Annabelle, à quelle heure Jenny Hogan avait pris rendez-vous hier? Oh, ma parole, vous ne pensez qu'à votre travail? Moi, pas toujours. Jenny. Elle n'en avait pas la rendez-vous mercredi. Annabelle, vous êtes vraiment sûre? Mais absolument. Je travaillais hier soir. Dites, pourquoi vous me posez toutes ces questions? Oh, il s'agit d'un sondage en les cosmétiques. Et vous, vous méritez vraiment qu'on vous sonde. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Machine. Dan, c'est pas mon jour. Ah, si seulement Béa s'était pas offerte pour diriger le défilé du concours de beauté du casino, tout marche de travers aujourd'hui. Oui, je me retrouve au bureau toute seule. Angie, écoute-moi et calme-toi. Alors rassemble tes idées. As-tu appelé le numéro que je t'ai donné? Oh oui, elle est au défilé. Angie, pas Béatrice, Marie Saunders. C'est l'amie de Jenny Hogan, rappelle-toi. Oui, bien sûr, je me rappelle, c'est idiot. Je l'ai écrit. Quelque part. Tiens, le voilà. Marie Saunders, le service des abonnés absents, dit qu'elle est à la répétition du défilé, au Frontier Hotel. Tu es content, Dan? Ah, tu es magnifique, Angie. Je suis très content. Très bien, viens chez nous. Allez, viens vers moi. Laisse tomber tes épaules. Très bien. Maintenant, remonte-les. Fais un tour. Trop vite, chérie. Là, là, c'est bien. Très bien. 5 et 6, 7, un pas. On pointe, lance le pied en avant et puis pivote. 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 Et on se repose. Il se passe quelque chose? J'avais dit que je passerais te prendre. Oui, mais tu as un quart d'heure d'avance, alors il a une raison. Je me demandais si tu aurais l'amabilité de m'indiquer où Marie Saunders peut se trouver. Oui, bien. Marie? Voici Dan Tana, un ami à moi, un inspecteur dans le privé. Bonjour, Marie. Bonjour. Marie, j'ai cru comprendre que vous deviez rencontrer Jenny la nuit où elle a été attaquée. Oui. On avait rendez-vous au parking. C'est juste au coin près du cinéma. Aux environs de 10h? Oui, j'étais en retard. Peut-être que si je l'avais pas été. Et Marie, elle vous a dit comment était l'homme? Pas un mot. Je voulais l'emmener à l'hôpital. Mais elle gémissait, emmène-moi chez moi, emmène-moi chez moi. À plusieurs reprises. Savez-vous ce qu'elle faisait avant ça? J'ai appris qu'elle avait dit à son père qu'elle allait chez le coiffeur, c'est inexact? Oui, malheureusement, monsieur Tana. Allô les filles, encore une fois et ça sera terminé. Excusez-moi, il faut que je reprenne la répétition. Sur elle. Très bien. Alors notez bien cela. À toutes les filles qui arrivent à la rampe, vous envoyez un petit spot. Et vous la gardez en silhouette pendant qu'elle exécute sa série de tours. Ensuite, vous devez élargir quand elle repart. Vous avez compris? Oui, madame, c'est compris. Ouh.
ça va, monsieur Roth? Ça va? Hop. Où étais-tu passé? Monsieur Roth te cherche partout. Ah oui? Tu as des problèmes, Dan? Ah non, si c'est lui qui me cherche, c'est parce qu'il a besoin de moi. Alors c'est lui qui a des problèmes. Mais tu n'as pas l'air de comprendre, il va arriver bientôt. Il est loin. Qu'est-ce qui se passe, Daniel? J'ai appris que tu étais ici, il faut rentrer partout. Alors si tu es là pour les filles, hein, ce n'est pas le moment. Tu m'as obligé à traverser. Tu comprends? Est-ce que tu vas empêcher mon décision? Mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi, une fille de 18 ans a été violée. Quoi? C'est grave. Venez. Son nom est Jenny Hogan. Jenny Hogan? Mais je connais son père. Venez, je vais vous en parler. Oh, quelle histoire. Et je vais vous voir toute fraîche demain de bonne heure. Oui, salut. Au revoir. Tu restes encore un peu, Tali? Mm-hmm. Entendu, alors je te laisse. N'oublie pas d'éteindre quand tu t'en vas. Oui, bien. Mon patron, cet homme élégant qui était là tout à l'heure, eh bien, il doit venir me prendre. Dis-lui que je serai à la cafétéria. Et ne lui donne pas ton numéro. Au revoir. Au revoir. Presque tout son temps en mondanité, en vente de charité. Il fait des donations pour les campagnes politiques. Il ne lui reste pas beaucoup de temps pour sa fille. D'après ce que j'ai entendu, il en aura encore moins. Il va diriger un bureau politique dans cet état. Hein? Léa! Hey! Dan! Veuillez m'excuser. Binzer, appelle une ambulance. Tout de suite. Comment va-t-elle? Elle est inconsciente. Qu'est-ce que tu m'apportes? Ben justement, le rapport que tu m'as demandé et la note pour l'équipe judiciaire. J'en ai pour mon argent. Les empreintes que l'homme a laissées sont à peine visibles.
Et est-ce que tous les indices sont aussi faibles? J'en ai relevé un petit nombre. J'ai vérifié dans les archives de la brigade. 5 viols ont été déclarés le mois dernier. 4 des victimes étaient toutes des femmes blondes, du même âge à peu près, à peine 20 ans. Alors ce serait le même type? Ça en a vraiment tout l'air. Il attaque particulièrement ce genre de filles, c'est ça? Il est difficile de distinguer les cas. Qu'est-ce que tu as encore? D'après les dossiers, des photos avant et après. Toutes ces filles ont été sérieusement battues et bâillonnées avec un tissu du même vêtement. Elles ont été à moitié étranglées et violées, et aucune n'a pu faire une description du type. Il semblerait que leur famille les ait encouragées à oublier ce qui s'était passé. Tiens, quelque chose d'intéressant, là. Le laboratoire a trouvé des traces de paille et de fumier sur le sol de la voiture côté conducteur. Il semblerait que votre dame anonyme a visité des étables ou un paddock. Ouais, ou le violeur. Merci, Bella. Je t'enverrai un chèque. Jenny et Tali sont blondes aussi, tout comme ses filles. Elles ont toutes les deux 18 ans. Oui, toutes deux font partie du défilé de Miss Casino. Et Jenny Hogan en faisait aussi partie. Qu'est-ce qu'elles ont encore de commun? Pas grand-chose. Tali est une fille tranquille, pas timide, mais elle est réservée. Oui. Comme les Jenny. Merci. Jenny aime vivre en compagnie et sortir. Allons, elle est coquette. À tout ça sont des histoires sans aucun intérêt. Je sais. Donne-moi les faits, c'est tout. D'accord, elle est épatante, elle aime faire du shopping. Je ne sais pas, elle se sent un peu seule. Et sa mère est morte il y a 4 ans de cela, alors elle vit seule. Ah, maintenant, je commence enfin à y voir un peu plus clair. Oui, et elle a Richie, le garde du corps, sous la main depuis 2 semaines. Richie? Il est beaucoup plus âgé qu'elle. Eh bien, c'est son genre, des hommes un peu mûrs. Enfin, après ces 2 semaines, elle est venue me dire qu'il commençait à l'embêter et qu'elle préférait être seule. Tu as parlé à Richie? J'ai pensé que ce n'était pas mon problème. Oui, tu as raison. Eh bien, dès demain matin, je bavarderai avec ce garde du corps. Une, deux, un. Allez, ouvre la bouche. Oh, merci. C'est bon. Richie? Comment allez-vous? Bien, qu'est-ce que c'est? Du yaourt. Merveilleux. Vous aimez? Non, je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. À tout à l'heure, merci. Au revoir. J'ai entendu dire que vous cherchiez un peu d'argent de poche. Ouais, c'est vrai. Vous savez, je suis toujours à la recherche d'argent de poche parce que ce boulot ne paie pas assez pour que je puisse mettre du beurre sur mon pain. Qu'avez-vous trouvé? Je vais vous dire ce que j'ai trouvé. J'ai un ami qui a besoin qu'on l'aide un peu, en particulier les week-ends dans un ranch pour touristes. Et il les accompagne en promenade. Non, pas moi, là. Non, je sais pas monter. Les chevaux, j'aime pas. Je suis un cas de ce que les gens appellent le rhume des foins. Attendez un peu, on m'a dit que vous étiez un expert en cavalerie. Ah ben, j'ignore de vous tenir vos informations, mais on se moque de vous. Jenny Hogan, pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? C'est une amie à vous, n'est-ce pas? Non, Jenny Hogan était une amie, mais elle ne l'est plus. Je comprends pas pourquoi, en réalité. J'ai jamais été entreprenant avec cette fille, c'est la vérité, je vous jure. Elle semblait s'ennuyer, nous sommes sortis une ou deux fois ensemble, c'est tout. Quand est-ce que vous l'avez vue la dernière fois? Oh, il y a bien 2 ou 3 semaines de ça, et elle est passée devant moi sans même me dire bonjour. Il y a un problème? Pas si vous ne l'avez pas vue depuis 3 semaines. Ah, dame. Hogan est ici? Oui, oui, entrez. Dana? Alors, vous avez trouvé quelque chose? Pas encore. Comment va Jenny? Toujours pareil, elle se repose. Savez-vous si elle est allée dans une étable dernièrement? Les 2 derniers week-ends, Mary Saunders et elle les ont passés au pavillon des pins. Mademoiselle Saunders a des amis là-bas. Vous les connaissez? Mais non, pourquoi? Eh bien, je vais aller faire un petit tour là-bas cet après-midi. Vous avez une tout-terrain pour y aller? Non. Prenez ma Jeep. Vous me remercierez de l'avoir prise. Thank you.
Anne. Regarde. Je vous emprunte votre cheval. Il y a urgence. Aidez-moi. Tu as la Jeep. Merci bien. Ne vous inquiétez pas, il va le ramener le cheval. Non, ça va pas, vous êtes cinglé. Ah, je suis cinglé. Comment est-ce que vous appelez le coup que vous venez de faire? Écoutez, je vous jure, je ne voulais pas vous blesser, je voulais juste vous retarder. Pourquoi me retarder? Il vous fallait du temps? Pourquoi? Pour cacher quoi? Tana, attendez, laissez-moi vous expliquer. Écoutez, Hogan est un moraliste à la mode ancienne. Et je devais vous barrer la route pour que je puisse prévenir le personnel. Pour acheter leur silence? Pour leur dire qu'ils oublient que le dernier week-end vous étiez là et le précédent aussi? Avec une fille, mais pas n'importe laquelle? Avec Jenny, n'est-ce pas? C'était bien Jenny Hogan. Je sais, ça n'est pas une excuse. Je veux dire, la fille s'ennuyait et finalement, je suis sorti seulement ces deux derniers week-ends. Tana, ma carrière dépend de ce que Mike Hogan peut apprendre, si jamais il l'apprend. Il ne l'apprendra pas par moi. Vous étiez avec elle la nuit où elle a été attaquée? Oui, je l'ai déposé tout près du parking. Mais ça n'a rien à voir avec moi. Je vous assure, ce n'est pas moi qui l'ai violé. Ça, c'est vous qui le dites. Une fille de 18 ans, la fille de votre meilleur ami. Et vous ne vous dégoûtez pas? Vraiment, j'aimerais comprendre. Où sont-elles toutes passées? Écoute, j'en sais rien. Peut-être une erreur dans les convocations. Bon, j'accorde encore 10 minutes de plus et nous commencerons à répéter. Anne, je peux te parler une minute? Qu'est-ce qui se passe ici? Où sont les filles? Allons, sois franche avec moi. Elles ont peur, Béa. Elles ont très peur du violeur. Elles se demandent qui sera la prochaine victime. Hein? Ça, c'était vraiment une belle Mais qu'est-ce qui
s'est passé, Dan? Tu es tombé? Tombé? Tu veux rire? T'aurais dû le voir. Il a bondi sur un cheval avec le tonnerre dans les sabots et un nuage de fumée. Donne-moi quelque chose à boire. Un œil de faucon, s'asseoir. Moi, chercher l'élixir magique. Ok. Il n'y a pas eu de message? Ah oui, Béa a appelé. Et Mike Hogan a fait apporter ça par son chauffeur. Inutile de remplir un dossier pour Jenny Hogan. Elle a convaincu son père de me retirer toute l'affaire. Pourquoi elle fait ça? Bah, c'est douté que je découvrirai son affaire avec Ben Summers, voilà. Tiens. Dan, on rapporte dans les journaux toute une série de viols. Magnifique. L'obsédé s'intéresse au concours de beauté. Hein, Roth va adorer ça. La bête du déshabillé. Comment est-ce qu'il prend ça? Oh, eh bien, quand il a eu fini de crier, il a décidé de préparer une réunion demain matin avec toutes les concurrentes. Il veut régler tout cela personnellement. Ouais, avec moi, ça fera la paire. Dana. Dan, peux-tu venir ici tout de suite? Qu'est-ce qui se passe? Non, pas au téléphone. Très bien, j'arrive. Roth? Non, Bella. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde sur le bureau. On l'a découverte il y a 3 heures. Anne Larking, une des participantes au concours de beauté. Elle était bâillonnée avec une bande de tissu noir. Elle a mordu dans l'étoffe. Le labo va analyser les fibres. Elle a été battue, mais cette fois-ci, elle a pris un coup de trop. Cette fois-ci, il a violé, il a tué. Et Dan, nous n'avons pas le moindre suspect. Personne ne l'a vu? Non, mais la fille dont tu protèges l'anonymat l'a vu. Jenny Hogan l'a vu. Allons, n'aie pas l'air si surpris. J'ai vérifié son numéro d'immatriculation avec le service. Elle est la seule qui peut nous apporter la lumière. Dan, s'il le faut, on fera comparaître cette fille. Oh, Bella, ça marchera pas. Son père produira des rapports médicaux attestant que son état s'y oppose. Il faut savoir qui c'est d'une manière ou d'une autre. Il faut lui faire comprendre ça avant que ce maniaque tue encore. Je t'en prends ça. Vous n'avez pas eu mon message? Je veux parler à Jenny. Attendez, vous avez été payé. Qui êtes-vous en train de protéger? Jenny ou vous-même? Votre image de marque de chef d'une communauté? De candidat? Je ne quitterai pas cette maison tant que je n'aurai pas parlé à Jenny et que j'ai eu une description de l'homme qui l'a violée. Elle ne l'a pas vu, il faisait nuit. Il ne faisait pas nuit! Les lumières dans le parking sont allumées toute la nuit. Sortez d'ici ou je vais appeler la police. Appelez-la, la police, car ils veulent aussi lui parler. Jetez un coup d'œil. Gentil, hein? Un regard comme celui de votre fille. Et ça, c'est après. Après qu'elle ait été violée, battue par ce même homme dont Jenny peut me donner une description. Voilà une autre victime. Douce, sensible, un joli regard. Et ça, c'est ce matin à la morgue. C'est pas beau, hein? Je vais l'appeler. Papa, c'est inutile. Je suis d'accord. Je sais. J'ai vu l'homme. Il portait une sorte de coiffure sombre. J'ai pu la lui arracher. Et il avait des cheveux bruns. Mademoiselle Hogan d'être venue, vous ne le regretterez pas. J'espère que non. Je vais la ramener à la maison.
On verra tout ça en détail. Un peu plus tard, je reviendrai. Monsieur Tana, je veux vous remercier de m'avoir incité à venir. Désolé de m'être montré aussi rude. S'il le faut, nous interrogerons tous les hommes qui sont encore en rapport avec ce concours de beauté, de près ou de loin. Non, Bella, attendons. Mais pourquoi faire? Nous avons une plainte et également une très bonne description. On ne peut pas aller au tribunal avec un témoignage non confirmé. Elle ne m'a rapporté l'incident que deux jours plus tard. Le ministère public le mettra en pièces. Peut-être que Tally Richard peut l'identifier aussi? Non, elle est encore dans le coma. Mais on ne peut pas rester assis et attendre qu'il frappe à nouveau. Bien sûr que non, Bella. Nous devons avancer à pas feutrés. Si vous envoyez une équipe d'hommes qui se mettent à poser des questions, votre bonhomme va s'enfuir. Et on en sera où? Je comprends. Mais qu'est-ce que tu suggères? Écoute, il doit travailler pour le défilé et connaît mon visage. Mais je sais maintenant de quoi il a l'air. Alors, tu nous montres du doigt. Et qu'est-ce qui se passe? Donne-moi deux policiers civils, on va l'attirer dans un piège et on le prendra sur le fait. Alors, il te faut une femme de la police, en civil, comme appât. Oui, il nous faut une personne qui corresponde à la description. Blonde, mince, adolescente. Je ne sais pas si nous avons un modèle de ce genre à proposer. Moi, je peux. J'ai encore mon équipement de groupie et avec une perruque. Non, Béa. Mais enfin, Dan, tu n'as pas d'autre choix. On n'a pas suffisamment de temps pour apprendre à une femme à danser et toute la routine du spectacle. Alors il va falloir faire avec moi. Je suis l'unique à Panville. Béa, on ne peut rien faire tant qu'il ne bouge pas. Je sais que tu seras là. Alors, j'ai demandé à Rod de continuer le spectacle. Mademoiselle, j'aimerais vous raconter une histoire sur un grand impresario américain. Il s'appelait Flo Ziegfeld. Vous êtes trop jeune pour vous rappeler les Ziegfeld Girls, mais elles étaient les plus merveilleuses femmes du monde. Et ce monsieur Ziegfeld avait coutume de les habiller somptueusement. Et je vous affirme qu'elles portaient les toilettes les plus coûteuses qu'il trouvait. Il leur offrait des petites culottes en soie et en dentelle qu'il faisait faire et qui coûtaient un prix exorbitant. Adorable, n'est-ce pas? Un jour, le producteur vint lui dire « Monsieur Ziegfeld, ses culottes coûtent un prix excessif. Et de plus, personne ne sait qu'elle porte des culottes de ce prix. » Et savez-vous ce qu'il répondit? Il répondit « Les girls, elles, le savent. » Et c'est ce qui fait leur façon de marcher. Ouais, j'ignorais ça. L'histoire est vraie. Et c'est vrai qu'elle portait les plus coûteuses petites culottes du monde. Merveilleux, n'est-ce pas? Comment me trouvez-vous? Ça va bien, continuez. D'accord. Alors les filles, je vais vous faire une promesse. Si vous êtes désigné pour le défilé et que vous le réussissiez, je vous offre 50 violonistes. Comptez-les, tous alignés le long de la rampe et une garde d'honneur pour Miss Casino, la reine de cette année. L'orchestre jouera « Faites donc du cinéma » et ensuite, je vous offre une grande réception. Alors allez-y et souriez. Ça va? Oui. Oui, à Courzu. Ça arrive sans arrêt. Ces marques sur vos mains, ce sont des brûlures aussi? Bah, ça c'est rien. Des petites étincelles. Et des taches marron et des cicatrices sur ses mains. Des étincelles? Dites, est-ce que vous vous occupez tout seul de l'électricité? On est deux, mais mon collègue ne vient qu'à la répétition. Et pour terminer, je vous présenterai personnellement à Wayne Newton. Newton Wayne. Oui, c'est bien lui. Il est employé ici en temporaire pour l'électricité. Il s'appelle David Lansford. Merci, Jenny. Transféré ici d'une entreprise de Seattle il y a 4 semaines. Binzer, reconduis Jenny, s'il te plaît. Oui. Venez. Oui, je sais. Je n'ai plus 20 ans. Ah, moi, j'ai rien dit. Oh! On te prend de me plotter. D'accord, Béa. Viens au centre, chérie.
Tu vas devoir être Miss Casino pour cette répétition, en tous les cas. Bon, tout le monde est prêt pour le final? Et on y va! Je vous en prie. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Jusqu'à mon appel. Compris. Je vous écoute. La passe approche de votre position. Le suspect suit en se dissimulant. Ne bougez pas avant que je vous le dise. D'accord, terminé. Ne bouge plus. Je sais que vous êtes là.
Coincez-le! Coincez-le! Excuse-moi pour mon retard. Bella vient d'appeler. Langsford a tout avoué. Langsford a avoué? Ça veut dire que Jenny n'aura pas à subir de contre-interrogatoire? Oui. Parfait. Dan? Je Wesley, comment allez-vous? Comment allez-vous? Très heureux. Daniel, vous avez un instant? Oui. Oh, excellent. Écoutez, j'ai reçu cette facture pour 25 petites culottes. Wesley, est-ce que le défilé a mal marché? Oh, c'était un merveilleux, magnifique défilé. Oui, vraiment. Ah, 25 petites culottes. Ah, ces filles, vous êtes satisfait de leur précieux concours? C'était parfaite, oui, parfaite. Je le méritais. 1500 dollars. Mais cette facture... ça? Oui, écoutez, vous pourriez la considérer comme une contribution à l'amélioration civile. Oh, ça peut le faire, oui. C'est pas la question, mais voyons, je ne comprends pas pourquoi 25 petites culottes. Eh bien, voyez-vous, Slick, je voulais que les filles se rappellent votre merveilleuse histoire à propos de Ziegfeld. Je l'ai adoré. Et je sais qu'elle. Oui, mais tant mieux, je m'en réjouis. C'était une merveilleuse histoire, mais je n'ai jamais connu Ziegfeld. Je pense qu'il est bien temps d'aller dîner, hein, les filles, il se fait tard. Ah oui, 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 vous allez dîner, oui. Oui, c'est ça. 25. Et elle n'était que 22 finalistes. Pourquoi 25 petites culottes? N'avez-vous jamais entendu parler de petits profits, monsieur Roth? Merci, monsieur Roth. Oh, moi aussi, monsieur Roth.